Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, j'aimerais vous présenter Minamoto The First Shogun, donc le premier boss de The Pit pour l'instant de cette semaine. Donc, présentation rapide du héros qui dit donc que les alliés qui ont perdu leur bouclier manteau gagnent une contre-attaque en fait. Simplement, à tous les 3 tours, on tue un ennemi qui a moins de 60% de sa vie. Et tous les 5 tours, dans la première colonne de mêlée, il invoque des Hatamoto avec 22 points de vie et 11 d'attaque, avec un bouclier mental, donc 1350 points de vie. C'est pas mal. Tout d'abord, avant de lancer genre le combat, je souhaitais remercier donc ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ceux qui regardent et particulièrement ceux qui laissent des commentaires pertinents, qui soient positifs, négatifs et autres. Donc, avant de lancer ce combat également, je voulais vous faire part d'une bonne petite nouvelle pour moi, on va dire. Je suis rentré enfin en LGM, donc la plus haute ligue qu'on peut atteindre dans le jeu. Je l'ai atteinte tout à l'heure, donc suite à la fin de la saison. Donc je suis 77e apparemment. Et je suis assez content d'avoir atteint cette ligue-là. Je ferai une présentation PVP pour voir sur quel type de gros joueurs on peut tomber. En attendant, c'est parti, on lance le premier combat. Avec Minamoto. Alors, déjà mes personnages sont boostés comme à mon habitude. Donc, je vais lancer le premier. Le Duc Vlad, on va s'en servir. Boum boum, 48. Donc une Duke Vlad qui est quand même niveau 9 et qui a été et qui est oula pardon que j'ai fait renaître une fois. Là il y a Axe qui va me servir plus tard je pense. Ouais. Axe ouais, il risque de me servir ouais. Je vais le mettre en attente pour l'instant. Ah. Boum, ah oui, il me l'a séché là. Hop, regarde juste Diplius, pas pour l'instant. Voilà, ça c'est pas mal ça. Donc, non seulement d'avoir posé un héros du chaos, Axe a pris une attaque supplémentaire, mais en plus, quand ce dragon. Voilà. Va mourir, Axe prend une attaque supplémentaire. Mais en fait, il n'avait pas besoin de mourir, il prend automatiquement une attaque supplémentaire et surtout. Comment dire ça? Voilà, il obtient le reborn, donc il ressuscite quand il meurt. Là, il a fait apparaître Hanzo le Grand. Donc, prochain tour, on va gagner les contre-attaques. C'est pas terrible pour moi, ça. Hop. Je préfère mettre un héros volant pour pas qu'il puisse l'atteindre trop facilement mon Warlord, parce que sinon ça va être compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont tous perdu leur bouclier manteau là? J'ai pas trop compris. .182 d'attaque là pour Hanzo, ça commence à faire beaucoup. On va mettre. Ouh là, il commence à y avoir du monde. Je vais attendre que ces invocations aient un peu perdu de la vie là.
Allez, on enclenche le pouvoir de mort. Le fait d'invoquer les quatre sorcières, ça lui a donné des attaques supplémentaires. Donc là, on en est à 6 attaques supplémentaires. Élimine. Oui. Ouais, je vais me servir du roi Taurus là. Ça va me soigner. Ah non. Ah oui, ça a donné déjà des attaques supplémentaires, mais. Le problème, c'est que j'avais oublié qu'il avait la contre-attaque à Tamoto. Bon. Ouh là là, ça va être dur. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Comme ça, au moins, il n'a plus qu'un seul point de vie. Hanzo le Grand. Ok, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Il y a qui là? Yes. Hop. On l'a transformé. Là, c'est normal qu'ils soient morts, mes héros, parce que ils étaient à moins de 60% de leur vie. Tout à fait normal. Hop, le dragon. Donc il est à 1350 points de vie, on en est à 1137. Oula. Là, j'hésite à mettre le totem de renvoi de dégâts dans la seconde ligne. D'ailleurs, je vais le mettre. Je suis content, j'ai bien pu lui renvoyer de la vie. Hop, on va clôturer ce premier essai. Ok, là, c'est même plus la peine d'attendre parce que de toute façon, le combat est terminé. On a dépensé quelques légendaires, mais encore ça passe. Hop, c'est parti pour le deuxième essai. Voilà déjà le cristal moyen. Nagaina, oui, bon. Héros épique que j'ai pas très très boosté. L'invocation pour l'instant, je la garde. Ça pour l'instant, c'est pas terrible. Je sens qu'il va bientôt avoir ses invocations et je vais être un peu à la ramasse. On va mettre Grog the Leader pour absorber les dégâts. Et en même temps soigner le Warlord. L'invocation qui a été placée a retiré de la vie sur les deux archers. Hop. Il gagne dangereusement de la vie. Ok. Voilà. C'est un peu mieux.
8 de bloc. Me reste qu'un changement. Ah bon, en plus, il a fait du dégât. Mine de rien, on est obligé d'en utiliser pas mal des légendaires pour ce boss-là. Ouh là là, oh d'accord. C'est frotter les mains. Je l'ai quasiment pas touché. En plus, j'ai dépensé des cartes légendaires pour rien. Voilà. On s'est dû enlever son bouclier mental. Donc ça c'est Tani Winrunner pour ceux qui connaissent pas. Quand on tue un ennemi, ça en tue un autre. Condition que ce ne soit pas un ennemi. Enfin, condition que ce soit pas un ennemi de la nature, en fait, tout simplement. Qui fait partie déjà de la classe nature. Là, il faut assez mal. Voilà. J'avais 40 chutes de bloc, c'est pour ça que je ne craignais pas son renvoi de dégâts. Là, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Combien est-ce qu'il me reste de cartes légendaires? Ok. Perçage. Ouais, autant mettre une carte basique. Je pense qu'avec cet essai, on devrait pouvoir faire quelque chose de cohérent. Voilà. Là, il a utilisé son pouvoir, ce qui est normal. Aïe, aïe, aïe. Alors là, par contre, ouais, c'est un peu plus embêtant. Ouf. 25 points de vie, en sachant que chaque tour je me prends de 6 à 13 de dégâts. Ouais.
Bon, ça peut être possible finalement. Pas grand-chose malheureusement, mais bon. Il a perdu 720 quand même, c'est déjà pas mal. C'est là où on est content d'être VIP et d'avoir un quatrième essai. Voilà, tout simplement. Hop. On essaie de finir au plus possible avec des héros pas classiques, mais. Ah, pour un point de vie. Oh là là. Qu'est-ce que c'est rageant. Ok. Bon, bah alors là, dans ces cas-là. Est-ce qu'on utilise mort ou est-ce que j'utilise mon pouvoir de mort? Ça supprime le bouclier mental. Et je le tue en suivant, mais ça fera quand même marcher. Bon, allez. Ok. Voilà. Maintenant, je peux me permettre. De frapper. Ça, c'est mon barde niveau 10. Ah, déjà. Ah oui, ça perd pas de temps, hein. Oh, c'est pas possible, il me sort une carte plus forte que les autres, après les autres, quoi. Ah ben, enfin une carte. Qui tape quoi. Détends. Bon, par contre, le cristal, pas terrible. Hein. Ah bah si ça continue comme ça, je vais pas réussir à le tuer celui-là encore. Hein. Hop, hop, et hop. Non plus. Ah. Sauvé. Littéralement sauvé. Là, s'il n'y avait pas Fury ou quelque chose comme Athéna, c'était fini. Donc, grâce encore une fois au VIP qui m'a permis de bien voir des changements de cartes, donc 6 au lieu de 3 en temps normal, ça m'a plutôt bien aidé. Donc le prochain, qui c'est Smile of the Death. Je sais plus si je l'avais présenté, je regarderai ça. Pour essayer de vous le présenter si c'est pas déjà fait. Avec ses sous, on va utiliser pour acheter des cartes épiques. Et c'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. Il y a la tour de l'obscurité qui est aussi en x2.
En attendant, je stoppe la vidéo ici. Je vous présenterai d'autres contenus plus tard. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, je vous conseille déjà de vous abonner si vous voulez être tenu au courant et si ce que je vous présente vous plaît. Petit autre conseil, ne passez pas par l'application YouTube si vous êtes sous Android ou iOS. Passez plutôt directement par un navigateur web pour pouvoir voir toutes les vidéos, sinon vous allez pouvoir voir que les 5 ou 6 dernières. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Mighty Party. A plus!